Arte City Triste. Donc là on a juste à faire ça, hop. Allez. Et là on a rappeur. Bon par contre petit à petit quoi, donc c'est un peu relou mais bon faut le faire quoi. Par contre ça va me saouler. Ah ouais. Bon bah ça c'est fait. Oui. Bon bah voilà. Donc voilà, il n'y a plus d'arbres dessus de chez nous. Ça c'est fait. Donc voilà, donc bah on va remettre tout ça. Par contre ouais je vais avoir masse bois. Hein. Donc clac clac. Et bon bah les pousses aussi hein. Écoutez, c'est comme ça. Poum, le sable on s'en fout, ouais c'est bon. Donc là vous avez bien vu hein, là vous voyez, clic droit, boum, la l'ember axe à côté c'est les torches, juste à faire clic droit et hop une torche. Voilà donc dans le lit. Et je te demande d'aller dans le lit. Tu peux aller dans le lit mon gars? Voilà. Oh là 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 là. Les enfants. Donc voilà. Donc bali bali balou. Donc on va continuer, on va prendre donc les arbres. Hein. Ça fait déjà du clair là déjà. Bon celui-là aussi on peut le péter à la limite. Ouais, est-ce que je le fais en live? Ouais, tu vois, allez. Justement, plus notre lumber axe est costaud, et plus on. Enfin, contre sa résistance, on pourra faire autant qu'on veut quoi. Mais le mieux c'est le cobalt, donc on va être tranquille quoi. Mais bon, je suis pas encore arrivé là, il y a des mécanismes à faire, il y a pas mal de choses à faire, hein. Franchement, on a de quoi faire encore. Hein. Voilà, celui-là. On ratiboise tout l'ensemble. Faudrait que je regarde s'il y a des harvesters, ouais, faudrait que j'aurai maintenant au pire. Bon, attends, on va péter celui-là et après. Hop. Voilà, bon bah ok, ça c'est con. Bon ça coûte cher hein, ouais, ça coûte cher oui et non, hein. C'est de la roche, hein. On s'en fout quoi. Par contre quoi, ça est vachement efficace, hein. Comme vous voyez bien, c'est easy quoi. Bah, c'est easy. C'est facile. Bien, c'est encore planté. Vous réparez, hop. Je vais essayer un truc. Non, pas. Monsieur. Et voilà. Là, on l'a réparé pratiquement en entier, quoi. Donc, on est tranquille, mais bon. Un peu relou, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va péter celui qui est là en face, là. Oh putain, il y a un squelette ici. Putain, chier. On va rebalancer des. Hop. Oui, pourquoi il veut pas plus, lui? Ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Ah bah voilà. Voilà. Hop, voilà. Bon, par contre, on récolte pas mal de bois. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est ces trucs-là, quoi. Je kiffe, moi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf! J'adore en fait sur CSGO tout à l'heure, le mec. On l'écoute, et en fin de compte, tout ce qu'il disait, il s'est planté. Bon, je me dis, bien, puisqu'il fait ça aussi, pour juste, je vais faire. Agobi, Agobi. Ah bah, des tous morabés. Tiens, c'est bon. Ah bon, bah écoute, si tu veux mourir, bah tu vas mourir, écoute. Hein. Ah merde, c'est vrai, si je suis au... Oh putain. Si je joue au soleil, je crame. Voilà.
Salut Kendra, coucou petit bouli, comment ça va depuis le temps? Bah ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, nickel. Écoute, ça va, très bien même. Bon, toujours pas de travail, hein. Donc j'ai rendez-vous mercredi avec ma conseillère. Voilà, c'est un truc de ouf. J'adore les boîtes d'intérim aussi qui disent comme ça. D'abord, ouais, désolé, j'avais pas vu. Donc, ouais, donc ça va, ça va. Et puis, bon, bah, je continue les lives. J'ai fait la démo de Diablo. Et puis, bon, bah, j'ai eu des. PayPal m'a remboursé, aïe, enfin! Je les ai engueulés au téléphone. Ils m'ont pris pour des cons. Bah, moi, je m'en fous. Je dis, vous foutez de ma gueule. Ma fille était malade, j'ai une preuve. Le médecin, voilà, ils ont regardé. Et en fin de compte, c'était bon. Ah mince, j'espère que tu as trouvé un truc rapidement. Pff, tu parles, ça fait plus d'un an que je suis sans boulot et puis ça se décoince pas. Donc j'ai beau aller aux boîtes d'intérim et tout ça. J'étais à un rendez-vous là pour du taf, vous êtes pas assez expérimenté, voilà ce qui me sort. Donc bah ouais, mais comme je leur dis, il faut bien débuter, hein. Puis soi-disant, je suis trop à l'aise niveau taf. Je dis bah attendez, vous foutez de pour moi. Bah, j'ai pas dit comme ça, vous foutez de ma gueule parce que je me fais têche, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu peux, quoi. Puis j'adore les boîtes d'intérim qui te sortent comme ça. Ouais, vous savez, bon, j'ai pas mon nom de famille, mais vous savez, c'est bientôt les élections, donc faut attendre après les élections. Peut-être que ça va se déboucher. Oh, quand ils disent ça, je me dis, mais what, quoi? Mais bon, je trouvais, c'est clair et net, mais bon, j'attends, bah j'attends, oui et non. Ah, je regarde les offres, les machins, je me déplace au boîte d'intérim et tout ça, mais en vain quoi. Ouais, c'est ça, par contre, c'est ça, parce que bon, avec ce qui se passe, donc avec Trump, donc il va fermer la porte, donc tout ce qui est, comment dire, je vais y arriver, tout ce qui va être français, bah tout ce qui est Europe, il donnera plus de boulot. Donc les Français qui sont là-bas, toutes les exportations de vin, etc., bah, il n'y aura plus rien quoi. Donc il n'y a plus de boulot, puis bon, on est dans la merde quoi, et puis bon. Voilà quoi. Et quand je vois ceux qui ont du travail et qui se plaignent parce que ouais, ça m'énerve, je travaille tout le temps, j'ai envie de me reposer, ça me saoule. Putain, et quand j'entends ça, je me dis, j'ai failli leur dire à ceux de ma famille, Putain, vous êtes content d'avoir du travail? Moi, je galère à pas trouver de travail. Vous voyez, quand je vous vois, vous dites ça, quoi. C'est rageant, c'est vachement rageant. Donc, quand je vois ça, j'ai envie de leur donner des claques. C'est un truc de ouf, quoi. Mais c'est là comme ça, c'est la vie. Donc, en tout cas, je suis content. J'ai tout récupéré les dons. Et en plus, quand j'ai remis les dons avec PayPal, j'ai eu d'autres dons en plus, alors ça c'était vraiment fun. Puis voilà, donc si tu veux me conseiller des jeux que tu veux voir, que j'essaye, tu me le dis, puis bon j'essaierai en live, et voilà, donc bali balou. Non, puis c'est chiant, moi je. Bon bah heureusement que. Bon bah je suis chez moi tout seul, bon voilà, hein. Bon je m'occupe en faisant des lives et tout ça. Salut Aziz, premier lol. Tu vas bien? Bienvenue sur le stream. Non je sais pas, un jeu bon qui soit pas gourmand. Bon Ark, mon avis c'est mort. Arma 3 c'est mort. Bah j'ai retrouvé Trackmania, le premier Trackmania qui est sorti en 2006. J'avais acheté le CD, bah en plus c'est le jeu complet. Il y a même Evil Twin. Donc ça à voir. Mars 2006. Donc ça à voir, retrouver les premiers Trackmania. Puis un jeu de. C'était un jeu de quoi ça d'ailleurs, Evil Twin. Evil Twin, pardon. Je sais plus ce que c'était comme. Comme truc. J'espère que tu vas bien, Aziz. Oh, je t'appelle Aziz, hein, parce que Aziz, premier lol. Voilà. Je t'appelle Aziz. Salut Aziz! Et tout à l'heure, je suis enfin tombé avec un Français sur CSGO. J'étais super content. Alors, je me tapais des Russes, je me tapais aussi des Polonais. Donc, parler anglais avec un Russe, c'était pas possible parce que le mec parlait pas du tout. Parlait pas du tout anglais quoi, il dit alors il me sortait Russia, non, non, I'm French, I speak English, I speak English.
Allez, réplique Igligish. Donc là, en fin de compte, on a fait le hammer. Donc là, on a beaucoup de bois. Donc là, on est tranquille. Donc là, ouais, on a un coffre plein, quoi. Bon, bah maintenant, au travail. Comment on dit ce boulot pour faire tout ce qui va être. On va faire ces trucs-là, les amis. Donc il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi j'entends des zombies? Enfin bref, bon. Il va falloir donc tous ces trucs-là. Donc il y a une smelterie contrôle, une série de tanks, 9 séries de briques. Donc on peut augmenter, hein, on peut faire pas mal de choses. Hein. Donc il y a un fossé et une casting table. Donc c'est pour justement faire fondre donc les minerais. Puis voilà, donc blablabla. Ah, Aziz est parti. Il a dit salut. Au revoir. Tout à l'heure, on était 11, pas un seul parlait. Je dis, bon, ok, ça va. Au revoir. Ah, que au revoir. Donc là, on voit à la limite si je pète tout ça. Ouais, non, je laisse ça. Puis bon. Alors, des tomates, c'est bon. Alors, attendez, on va chercher du gravier. Du cravier. On va chercher du cravier. Déjà. Donc on va fermer la porte pour pas que les zombies pop. Donc ce qui est bien déjà, le morph, j'ai trouvé une chauve-souris, donc je suis tranquille. Il veut pas mettre la lumière. Oh. Alors déjà, à mon avis, j'entends. Alors, les zombies bibi. Les zombies bibi. Donc le zombie, il est. With zombie, please. Ah putain, il doit être par là, donc à mon avis. Allez, on va prendre le hammer, on va péter tout ça. En plus, c'est bien, j'ai du marbre. Alors, par contre, je suis content, j'ai kiffé. Donc, 9 par 9, et puis bon, pour le réparer, c'est juste de la roche. Donc, on va être tranquille. Ah, bah, il est là. Allez, viens. Ah, en plus, c'est bien, je te fais une entrée. Allez, viens. Donc là, je me suis transformé en zombie. Un zion bibi, on me sent enfermé un zion bibi. Donc on a encore du copper, donc ça va permettre de vous faire des câbles. Moi je pense que je vais reprendre des quest books aussi, qui va pas être mal. C'est bien, on a du marbre, putain c'est cool ça. Avec le chisel, ça va être nice. Ça va être nice avec le chisel. D'ailleurs, on va voir ça, si je peux faire avec, un truc avec. Sympa le marteau. Ouais, mais il va être mieux après. Est-ce qu'il sera rose ou bleu ou. Je vais voir quelle couleur que je pourrais faire. Donc là, c'est le début, donc je fais toujours ça au début. J'évite d'aller dans le Nether pour aller chercher du cobalt. Puis voilà, donc. Salut Braise! Tu vas bien, Braise? Ça fait longtemps, disons. Hop, hop. Donc ça. Donc là, comme vous voyez, donc pour la terre, pareil. Donc hop, on prend le petit truc. Et on fait. Boum! Ah bah tiens, du gravier! Nickel! C'est ce qu'il faut en plus, donc ça c'est cool. Allez, viens par là, toi. Hop. Ça va être bueno. Est-ce que j'ai ma pioche dans le coin? Non. Ça pue. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop. Oh fuck, un creeper. Non! Il a cassé tout! Il est méchant, le creeper. Il est méchant, le creeper. Coucou, Brice, ça va? Sale breton. Oh non, t'es méchante. T'es méchante. J'adore. Sale breton. Eh, j'ai des origines bretonnes, hein, Kendra. J'ai des origines bretonnes, hein, du côté Lecam. Hein. Là, il va partir, Braise. De toute façon, après, de toute façon, là, je vais pas tarder à arrêter le live. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. De toute façon, après manger, je referai un live sur le gameplay de CSGO. Je suis un peu dégoûté parce que bon, j'ai des putains de skills. Alors, je fais 25 et tout ça. Bon, je suis redescendu Silver 1. Donc c'est hier que j'ai vu ça. Je suis un peu dingue. Un peu deg, pardon. C'est un peu con, quoi. Mais je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas pourquoi ils m'ont descendu. Mais je suis pas le seul, donc c'est un peu con quoi. Je m'en rejoue avec des Silver 1. C'est un peu relou. En même temps, t'es normande, quoi. Bah, moi aussi, je suis normand. C'est lui, il me dit toujours ça, normande. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord.